comme ça, le tout en général, quel que soit côté ou côté, quel que soit dans la ville, dans le pays, dans le continent coréen, nous saluons dans le nom de Jésus. Le travail que nous avons commencé, nous venons pour nous continuer. Et nous avons vraiment parlé en pile de la Bible. Nous avons dit côté le sorti, origine. Nous avons parlé de qui mot grec que le sorti, dans qui ville, et pour qui raison. Et nous avons fait un pile débat de ça. Nous avons fait un pile parler de ça. Et il y a un pile question tout qui vient de joindre moi. Il y a un pile monde qui écrit, qui a posé un pile question. Et de temps en temps, on a répondu. Et nous venons là pour nous continuer le travail. Nous avons mis l'espoir en place pour capable saisir quelques vérités. Pour capable saisir. Parce que ce travail-là n'est pas fait. Avec la chair, le sang. Le travail, ça est différent de tout l'autre travail. C'est comme un monde qui a fait comme ça. Mais sans présence, mon Dieu, on ne peut pas comprendre rien. On ne peut pas participer à rien. Mais nous venons encore aujourd'hui. Nous venons. Vraiment, nous avons parlé de la Bible. Nous avons dit deux testaments qui ont gagné. Nous avons parlé en pile de yo, nous avons bon division yo, comment yo divisé, comment yo te par branche, chaque te branche, chaque te plusieurs parties, nous avons parlé tout de ça. Mais quand nous venons pour nous faire un petit rappel, et après pour nous capables de continuer, et nous avons deux testaments yo, chaque te dans deux testaments yo, et nous avons compris qui nécessité qui gagne pour nous connaître dans qui livre que lié, dans qui partie, dans livre, dans qui partie lié. Juste la parler de la Bible pour qu'on connaisse comment vous parler parce qu'il y a chaque partie dans la Bible, quel que soit Pentateuque, historique, poétique, prophétique, il y a une façon pour parler les travail avec le livre, ça y est. Et les évangiles, les épîtres et l'Apocalypse et les autres. Mais chaque bonne façon pour parler, on ne peut pas parler même dans tout, et bien nous avons ça. Mais quand nous venons pour nous faire un rappel dans l'autre sens, pour nous dire, dans ce testament, c'était écrit spécialement pour les juifs et nous capables trois grandes pensées fondamentales de l'Ancien Testament, capables trois grandes divisions de l'Ancien Testament dans le sens de qui travaille, qui mission, à qui est l'Ancien Testament t'est adressé, promesse à qui est été faite. C'est ça que nous venons pour nous mettre un accent sur lui et pour nous capable saisir l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est lui qui a mené nous dans le Nouveau Testament. C'est l'ancien contrat, et bien, on y a qui peut faire place à l'autre contrat que Jésus vient, qui est la nouvelle alliance. Et anciennement, et bien, il était vraiment arrivé dans le bout de lui. Et bien, Jésus est venu pour le remplacer. Parce que ce sont des promesses qu'il n'a pas accompli à chaque sac qu'il a fait. Ce sont des paroles qu'il n'a pas accompli. Et bien, nous venons. D'abord, trois pensées fondamentales de l'Ancien Testament, c'est ça que nous avons pour comprendre. Pour comprendre vraiment certaines choses dans l'Ancien Testament. Dans trois pensées fondamentales de l'Ancien Testament, dans trois façons, trois mondes, trois alliances, nous sommes capables de dire comme ça que bon Dieu a fait alliance dans l'Ancien Testament et qui a mené nous directement à Jésus. Mais nous allons passer par. Premier bagage, nous capable de joindre, nous capable de la promesse de Dieu à Abraham. C'est le premier bagage que nous voyons dans l'Ancien Testament. Depuis la Genèse, vous voyez ça. À partir de Genèse 16-17, vous voyez que. Pourquoi 16-17, non? Dans Genèse, vous voyez ça. Ça veut dire que nous voulons dire un bagage. Une fois, bouche nous dit bah là, mais nous pas vraiment prêts pour nous vérifier. Ça veut dire dans Genèse, appel d'Abraham. Nous prenons Genèse 12, appel d'Abraham. Ça veut dire, nous ne pouvons pas dire un bagage et puis regarder dans la Bible pour ne pas joindre. Mais premier promesse là, promesse qui était faite en première, qui était faite directement à Abraham. Abraham nous était faite, la promesse de Dieu à Abraham. Qui ça te dit dans la promesse là, de qui ça te parle dans la promesse là. Parce que c'est trois promesses, nous disons que c'est trois promesses, trois alliances qui fait dans ce testament qui conduit tout le monde à la nouvelle alliance là qui c'est Jésus. Mais ça veut dire qu'il faut nous connaître l'étape ça. Première étape là, nous disons c'est la promesse de Dieu à Abraham. Qui sa promesse ça te dit, comment elle te définit la promesse ça. Mais
Abdou, par sa descendance, toutes les nations seraient bénies. Ça veut dire Abraham. C'est promesse à mon Dieu fait Abraham. Il dit Abraham, toute nation a béni dans petit petit tout, dans génération. Ça veut dire si ça fait comme promesse, et je dis à quelque chose à côté au monde sur la terre, est-ce qu'il va participer dans la promesse? Est-ce qu'il va la donner? Eh bien, c'est vrai, l'Ancien Testament, c'est directement pour les Juifs. Mais Juif la vient grandir, grandir, l'élargit. Pour qu'on est à cause de déportation, tu as pile déportation, tu as pile monde qui t'a couru quitter Israël, les que l'autre nation va y aller, ça veut dire nation gaée dans le monde. A dit nous par contre côté tout côté à la grand petit monde, tout côté ça tombe depuis Jésus Israël litouyer pour rester c'est pour vous. Premièrement et ensuite tout bail va le changer, là Jésus est venu. Tout continuité va le fait. Et nous est la première pensée, c'est que Dieu t'a fait une promesse à Abraham. Il t'a dit Abraham, toute nation a béni dans vous. Et comme si nous avons à cause de vous-même, mais toute nation a béni. C'est dans vous, source là. Et c'est une source bénédiction, Abraham. Mais il t'a dit Abraham ça. Dieu fonda la nation hébraïque dans le but spécifique d'en faire pour le monde une nation messianique. Ça veut dire une nation au travers de laquelle de grandes bénédictions seraient données à toutes les nations. Ça veut dire c'est ça bon Dieu fait. Bon Dieu trace plan de Jean Blé, il fait ça le trace plan de Jean Blé. Il décide c'est Abraham pour faire ça. Et bien, il relie Abraham, il choisit, il dit pour venir papa en grande nation. Toute nation a béni nous, toute nation, il va citer quelqu'un, il va dire un peu, il va dire telle catégorie par la donne, mais il te dit toute nation a béni nous. Et bien nous te voyons, ça a vraiment ça a été fait, il te décide de faire, et bien pour être capable de faire accomplir la promesse que le bien pour l'accomplir, le Jésus venir. Depuis l'Ancien Testament, il y a des figures cap. éclairer nous juste pour les Jésus vienne faire pour salter gain pour faire pour les Jésus vienne intervenir et mais pour comme si c'est réalité à nous t'es dans ombre nous t'es dans songe nous t'es dans vision mais qu'on est agi clair nous la terre et mais c'est ça qui pour faire mais nous premier bagaille un premier pensée fondamentale dans ce testament c'était une promesse que bon Dieu t'a fait à Abraham pour devenir papa toute nation pour devenir pour toute nation bénie dans lui. C'est ça, bon Dieu fait comme promesse. Et bon Dieu, c'est qu'un peu promesse là, malgré tout. Ah ouais. Et deuxième, ça n'a besoin. Et bien, bon Dieu, tu fais alliance avec nation hébraïque. Ça. Les nations, ça, que bon Dieu même t'a fondé, et bien, il fait alliance avec. Malgré c'était Israël pas un gros pays. Mais bon Dieu choisit de faire alliance avec elle. Tout ça qu'il peut faire. Et bien, il fait avec Israël. Et mission Israël c'était aller partout, gagner nouvelle là. Mais nous en premier temps, les Jésus finalé malgré décision que déjà prend, malgré toute bagarre été faite, il dit aller faire de toute la nation des disciples. Il dit tout le monde aller, tout le monde chita là dans temple là. Il était à Jérusalem, il y a bien passé et on dit pas pour aller parce que l'autre monde c'est pas un ou pas israélite pas bail droit pour ça faire et bien le regarder tout monde chita mais le bon Dieu besoin promesse il réaliser le besoin ça le dit à faire mais il est en persécution il est en problème on y a là c'est pas vouloir ou aller non courir dans courir aller mais côté rivé obligé bail parole là c'est le cas la base elle dit ça pour bon Dieu faire la fête quand même. Il n'y a pas besoin qu'on ait ça qui passe de où. Parce que si tu veux aller normal, bah quoi ça t'a obligé de faire. Mais puisque le peuple n'a pas de vouloir aller, tout le monde est chita à Jérusalem, tout le monde est la caillou, à mettre les têtes en valeur, à mettre Israël en valeur, à mettre. Bon, tu as choisi un autre pays, tu as choisi une autre nation. Il y a toute nation sur la terre, tu as choisi un autre. Tu choisis une. Mais le fond, grâce à choisir une, il faut nous travailler dans le programme qu'il mettait nous. Mais nous voyons que pour mettre ça fait à Abraham premièrement, deuxièmement, il choisit une nation, c'est la nation hébreu. Et qui ça a été fait, qui pour mettre ça a été fait, qui ça a été dit là par accompli,
Et mais comment tout bagaille yé, l'elle fait le promesse, l'elle te dit le choisir là, qui s'est passé. Et mais bon Dieu fait alliance là, avec nation hébraïque là. Qui ça te dit? Il te dit, il va prospérer en tant que nation si pour servir fidèlement. On va dire les conditions de débat. Par ailleurs, il va y avoir un séjour, c'est que bon Dieu a passé à Ven, à Bléven, mais il y a des conditions. Il y a des barèmes, il y a des limites à ne pas franchir. Il y a quelques barèmes à ne pas franchir. Bon, quel que soit la chance à l'air, bon Dieu a passé à Ven. Si vous passez, la passe. Sont des disciples, chaque passé. Si vous êtes allé, vous chitez là, vous êtes allé, mais chaque passé. Là, il fait aller quand même. Lève persécution, lève problème, et puis couille à couille. On a dit, promesse pour Dieu, là, par contre, le monde pas qu'à barrer, promesse pour Dieu. Même quand on a chanté, on a pas donné, on a dit, le monde pas qu'à barrer, le monde pas qu'à empêcher de délivrer. Oui, le monde pas qu'à pas. Le monde a décidé, la fait ça, la fait, c'est normal, la fait. Mais c'est comme ça, tout le monde l'a servi avec nous. Mais depuis qu'il nous fait un bagage, nous ne pouvons pas camper de vous. Et celui qui nous fait ça, ça nous doit faire. Nous-mêmes, nous pouvons nous mettre dans une situation difficile, parce que nous-mêmes, nous sentons que nous ne pas qualifiés pour travailler. C'est ça qu'on a le plus gros problème. Dans tout le monde, les bons dieux choisissent nous, les bons dieux relèvent nous, nous sentons trop rase. En plus, le prophète fait ça, en plus, il dit ça. C'est un petit monde, par contre, parler, même Moïse dit ça. Ça dit, nous sentons inférieurs à la promesse, bon Dieu. Vous comprenez? Mais ça vient que nous venons de travailler difficile. Bon Dieu accompli dans nous. On bagaille péché, on bagaille désobéissance, on bagaille traîner nous, râler nous derrière. Et puis, bon Dieu lui-même, il met tout bagaille, il contrôle tout bagaille. Ça veut dire, nous en situation difficile sur la terre. Mais promesse a été faite à Abraham, il fait une alliance avec Hébreu pour être capable de continuer à faire travail là. En attendant qu'il vienne. Et mais il te dit encore, il te dit, il prospérera en tant que nation s'il le servait fidèlement. Il serait détruit en tant que nation s'il l'oubliait et servait des idoles. Mes amis, chaque fois Israël a pas toute misère, ça y est, ces conditions, ça a été bâillé, ils ont choisi comme peuple. Et nous avons béni, nous avons prospéré, c'est pour servir bon Dieu fidèlement. Mais il dit, nous avons détruit tout, de oublier, de servir des idoles. Et bon Dieu, tu as un gros problème, ça, Israël a fait des idoles là. A dit tout ça qu'on moun bay plus valeur que Dieu, tout ça on va vénérer, tout ça on va faire comme si vous mettez à genoux devant, mais ça un petit genre anormal selon le principe bon Dieu bay à peuple choisi. A dit mais gens. On a continué toujours, on a dit toutes les nations adoraient des idoles. Il y avait des dieux partout, Dieu du ciel, Dieu de la terre, Dieu de la mer et Dieu des terres. Dieu des villes, Dieu des campagnes, Dieu des montagnes et Dieu des vallées. A dit pas de manquer Dieu. Pas de manquer Dieu. C'est le problème ça. Que bon Dieu t'a géré avec le peuple qui t'a choisi, le peuple Bouya. Et bien, t'es dit non, pas servir idole. Rete fidèle, pas adorer. Et de pour faire ça, m'a détruit. Il dit, si rete fidèle, et bien, on va prospérer. Et bien, t'es dit, pas servir Dieu ça. Pas de manquer Dieu. On prend Dieu mal, Dieu femelle, Dieu famille, Dieu. Mes amis, Dieu famille, il y a toute qualité de Dieu. Et bien, il y a une mise en garde ça, pour ne pas servir Dieu ça, pour ne pas adorer, pour ne pas idole, pour ne pas adorer. L'Ancien Testament est un récit de l'effort millénaire de Dieu pour établir dans un monde où les peuples adorent les idoles. L'idée qu'il a un seul Dieu en formant une nation autour de cette idée. Ça veut dire, bon Dieu lui-même, il fait programme pour des années, des centaines d'années. Et il devait mettre toute bagaille en ordre, et pas seulement à peuple Israël là, non, mais à tout le monde qui est sur la terre, il devait faire fixer Dieu vers lui-même. Parce que il crée toute bagaille, c'est lui qui met toute bagaille. Un ennemi qui pète coquin, un ennemi en veut gâter plan, veut gâter projet là. Mais lui-même, il fait projet pour instruire la nation à travers les prophètes, à travers les voyants, à travers tout sage, il utilise toute façon pour te parler avec le peuple, pour te communiquer volonté, qui j'en peux fonctionner, principe pour appliquer et pour ennemi en pas gâter, manger. Mais à tout ça, c'est vraiment difficile. Mais
Bon, j'étais arrivé gâté depuis le jardin d'Eden. J'ai gâté. Ou j'ai gâté. Ça se passe avant, oui. Avant. Ça veut dire plante qui est un. Premier plante qui est un gâté. Mais bon, j'ai fait un autre plan pour le venir atterrir sur l'homme pour capable ramener l'homme à Dieu. Parce que l'homme est séparé de Dieu. L'homme est perdu. Mais bien, qu'on y a le faire plan. C'est ça que fait à travers l'Ancien Testament. Ou elle tape chapanté comme ça. Il a besoin d'une famille pour te. Commencer, il prend famille d'Abraham, il a besoin d'un peuple, il prend un peuple hébreu. Et troisièmement, ça nous besoin encore, il continue, mais les familles arrivent là, la cour, il a pas avancé, mais il a besoin qu'on y a là, il y a un autre monde qui est plus récent, mais qu'il a fait, il a fait promesse là avec David. Première promesse là, nous devons faire l'Abraham. Et Abraham lui fait alliance à peuple Abraham, à un peuple qui serait le peuple hébreu. Et enfin, lui te fait une alliance avec David pour conduire à Nouveau Testament, pour conduire toute bagaille vers lui-même. Parce qu'à partir de David, bon Dieu a pris toute autorité, toute décision pour lui-même, pour le cas faire tout le reste travailler pour faire. Parce que c'est à David qui te fait promettre ça. Il dit David, pas jamais manquer un monde sous trône, et il y a un monde qui est là pour tout. Ça dit que ça a parlé, et comme si pour moi, ça n'a pas de quoi comprendre qui est. Mais dans le jour où il vient, tout le monde dit qui est. Tout le monde est venu connaître qui est. Il dit la promesse de Dieu à David. Sa famille régnait pour toujours sur le peuple de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu devient une grande nation, Dieu s'est choisi une famille au sein de cette nation, la famille de David, autour de laquelle il bâtit ses promesses, annonçant qu'un jour naîtrait de cette famille le plus grand des rois, qui vivrait lui-même pour toujours et établirait un royaume universel d'une durée sans fin. Ça veut dire, ouais, de qui ça parlait là? Ça veut dire, promesse là que fait là, ça qui dit, tu fais le premier mot à Abraham. Le premier mois avec Abraham, la promesse a marché, la promesse a avancé. Mais Abraham, ils vont côté, mais la promesse a grandi, toujours fait là avec un peuple, qui est le peuple hébreu. La promesse a marché, Mais là, ils sont arrivés à une bonne distance encore, mais ils renouvellent la promesse à un autre monde qui est David, et c'est le dernier monde qu'il a choisi. Pour te bay dernier parole ça et dit me choisi famille David et dit c'est une famille royale tout royal passé dans famille ça sorti dans famille ça mais dit gon bagage qui va le faire gon roi qui va le venir gon roi l'a metté cap fait il dit c'est plus grand roi ça bien mais lui même la pétable royaume ça un royaume universel et royaume ça dire il est sans fin il pas bien fait mais de qui est ça parler là ça veut dire nous pas jamais ba arriver dans l'Ancien Testament pas jamais un monde qui est dirigé au trône d'Israël là sans fin mais pour moi ça c'est pour Jésus il était fait référence directement à Jésus. Et ça fait que Jésus vient dans le Nouveau Testament, eh bien, il y a une bonne confirmation, une bonne bagaille qui a confirmé. Une bonne bagaille qui a dit. Mais ça, l'Ancien Testament te dit. Il y a des déclarations qui sont très claires. Et si nous apprenons, nous allons comprendre ça. Eh bien, nous avons fini choisi Abraham, les trois, grandes pensées fondamentales de l'Ancien Testament qui sont liées. Bon Dieu fait promesse à Abraham. Bon Dieu fait promesse, il fait une alliance à peuple hébreu. Il te fait une autre promesse encore à David. Dernier promesse il fait à David. Il dit mettons un roi sur trône ça. Toi, roi ça là pour tout. Il va bien temps, il va bien limite. Roi te fait 40 ans, 40, 40, 52, 30, 20, 18. Mais roi ça là pour tout temps. Et son royaume universel que l'a fait. Et maintenant, même toi, étape progressive de la pensée de l'Ancien Testament. Nous sommes cités au Baou. C'est promesse de Dieu à Abraham. L'alliance de Dieu avec les nations hébraïques. Et la promesse de Dieu à David.
Les nous dit la nation hébraïque fut fondée pour que par elle le monde entier soit béni. C'est la nation messianique. Le moyen par lequel la nation hébraïque bénirait le monde serait la famille de David. C'est la famille messianique aussi. Le moyen par lequel la famille bénirait le monde serait un grand roi qui allait naître dans cette famille. C'est le Messie. Mais qu'on y a là, il est entré directement dans le Nouveau Testament. Depuis Jésus vini dans l'an 5, 6, 4 avant notre ère. Depuis Jésus vini, eh bien, on y a toute bagaille passée, toute promesse passée à Jésus. Toute bagaille passée à Jésus. La loi fait place à la grâce. Mais Jésus paraît, eh bien, bagaille là. Reboissé. C'est un autre programme qui est entré là. Vous comprenez? Son l'autre bagage qui est entré là. Eh bien, en fondant la nation hébraïque, le but ultime de Dieu était de préparer la venue de Christ dans le monde. Le but immédiat de Dieu était d'établir dans un monde idolâtre en vue de la venue de Christ. Il dit qu'il y a un seul Dieu vrai, un Dieu vivant, un Dieu puissant. Ça veut dire. Bon Dieu pas d'accord idolâtrie même, il pas d'accord mon observer l'autre Dieu. Bon Dieu créé, bon Dieu fait tout bail pour nous voir dans l'autre monde loi. Ou aller dans soleil, ou aller dans la lune, ou aller dans Dieu fertilité, ou aller dans Dieu sol, ou aller dans Dieu. Ah, tu es chargé Dieu, pas te manquer Dieu. Mais bon Dieu pas de garder bail ça, parce que c'est lui créé, mais il t'a fait un plan. Elle t'est passé par Abraham, par Pepe Bouya et par David et pour t'y atterrir directement dans nouvelle alliance là. Et Jésus est venu, il a fait chance à te dire, il a fait dans telle famille, il a fait là-dedans, et tout le bagage a commencé. Mais c'est comme ça, c'est testament, by remettre flambeau à Nouveau Testament. Et qui parle continuer de travailler la Christ, par contre, Jésus parle en fait, venir enseigner, faire formation, tout ça qu'il veut faire, rappeler tout ça qu'il veut rappeler, tout ça, monde pas comprendre dans ce testament, c'est lui qui a venu remanier, même j'en ouais. À l'âge de 12 ans, chita dans le temple, il a posé des questions, il a tourné des connaissances. Ce sont des bagages que lui-même vient faire. Et nous, en ce testament, nous finissons en ce testament dans ce sens. Parce que nous passons des promesses à Abraham avec alliance Pepe Boya et promesses David. On y a qui passe à Christ. Mais on y a là, nous. Centré en ce testament et qu'on a nous pas continuer à faire suivi avec Nouveau Testament. Nouveau Testament nous te parlé avec nous clé de lit comment te chapanté et nous gain pour continuer de ça. Nous disons merci et n'a tant de questions. Nous toujours prêt pour questions parce que ces questions qui fait nous comprendre plus, c'est là nous pas comprendre nous bagaille nous posons question, c'est pas toute bagaille qui dit au monde qui a décidé comprendre. Qu'a voulu comprendre et c'est pas toute bagaille qui dit tout vrai, c'est pas toute bagaille qui dit tout monde pour comprendre sans que le Saint-Esprit pas confirmer, sans que le Saint-Esprit pas saisir quelle conscience l'esprit lui on sait des bagailles qui peut faire parce que et pas tout monde tout cap croire dans parole bon Dieu, ça est pas tout monde. Gain monde au départ qui pas croire dans parole là, pas connaît. Même si on les idées sur la tête de gain monde ferme l'esprit au boucher Jéhovah pas ouais. Il bouche les oreilles pour pas attendre. Il fait que nous pas comprendre, nous pas saisir. Mais quand même, il là. Mais ça fait. Des fois, on a une possibilité ou pas comprendre. Mais cet esprit a l'œuvre dans la vie. Parce que quelque bagage, c'est pas samedi à cap faut comprendre. C'est pas j'aime parler. C'est pas ton, c'est pas rien cap faut comprendre. C'est Saint Esprit qui professeur. C'est lui qui met. C'est lui qui parle. Chaque dia, il met pas le doumé à le vledi. Parce que le plus souvent, ça nous dit pas rien. Mais révélation, parole là, c'est Christ, c'est Dieu. C'est lui qui parle là. Mais lui-même, il faut comprendre la parole là bien. Et bien, nous disons merci. Et nous ne pouvons pas suspendre remercier. Nous ne pouvons pas suspendre dire merci à tout le monde qui t'a excité nous pour travailler ça. Et nous commençons, nous ne pouvons pas sentir nos carités parce que il y a trop de bagailles pour nous apprendre, il y a trop de bagailles pour nous comprendre, il y a trop de bagailles pour nous faire. Parce que si ce n'est pas de possibilité ça, pour nous te connaître l'existence, Dieu, dans la vie tout le monde à travers tout le monde à travers toute bagaille Dieu là et eh ben le monde ne pas comme ça t'a fait avec ou pas comment le monde taillé malgré Dieu à l'œuvre sur la terre nous voit ça qui passe dans le monde et nous mando rester connecté malgré situation difficile malgré des positions nouées position condamnable
Mais Dieu est capable de faire tout le bagage. Livre un seul bagage dans moi. Lever, continuer à marcher. À chaque fois tomber, lever, continuer à marcher. À chaque fois tomber, lever, continuer à marcher. Gonlé. Mais la prendre en main, la dire tomber toi vous-même. Et puis le prendre mon, c'est soit le mettre sous dos, c'est soit le mettre sous coule. Et puis la faire autre là. Parce qu'il voulait marcher, il voulait avancer. Malgré tomber, parce que la Bible dit juste là qu'il faut tomber sept fois. Mais dit mon Dieu, prends main, il ne peut pas quitter la terre. Mais c'est une mission nous ça. Sous la terre. Nous avons tombé. Nous avons fait erreur. Mais puis nous avons été dans l'erreur. Puis nous avons été à terre. Et toujours conscient. Pas quitter rien boucher l'esprit nous. Rien boucher conscience nous. Pour les nous font bail mal pour nous pas pour nous pas prêt pour nous confesser ça à nous-mêmes pour nous dire mon péché ouais que des monde là tu viens de David un monde te prend un seul petit mouton l'autre les fait tel bagage qui ça David te dit nek ça mérite mourir mon cher mais prophète Nathan te dit mais David c'est au même David dit oh Dieu pitié de moi j'ai péché contre toi seul et je fais ce que mal à tête. C'est comme ça, faut nous admettre. Si c'est moi qui fais pas, c'est moi qui fais. T'as grand qui a fait pas moi qui fais. Quand les gens discutent, c'est moi qui fais. Mais c'est pas normal pour nous fonctionner en ennemi de nous-mêmes. En pile fois nous contre tête nous. Et si nous faisons pas, nous allons plaider. Nous pas coupable, pourtant c'est moi qui fais. Et nous nous conscients de faire. Avec ça, il vraiment nous connaît tête dans une situation difficile. Moi si nous voler, nous voler. Timbaimati, pas grand qui a fait, pas fait, si nous faisons. Mais nous, nous devons prêts pour nous affronter la vie à Jean-Louis. Parce que nous avons même problème dans la paix d'Israël, il y a un problème dans la paix d'Israël. Nous avons un autre bagage, trop important, c'est lui-même. Il dit, puis quand nous servons les idoles, quand nous servons l'autre Dieu, c'est moi qui crée à l'image, il dit, jaloux. Mais bon, j'étais comme au travail, il a fait la paix d'Israël pour conduire. Mené à Christ et comme Christ te dit travail là dans le monde il a continué à faire travail là et là il est arrivé pour là il était allé il était dit ma foi on va faire sur la paix et je ne vais pas quitter nous pour quoi mais c'est ça bon Dieu pas bien quitter nous pour quoi il suffit que nous mêmes tous nous choisis marcher avec elle en pile fois bon Dieu relève tout le monde mais c'est pas tout le monde qui finit bon Dieu a parlé c'est pas tout le monde qui tendait c'est pas tout le monde qui a écouté qui a obéi et bien travail là, c'est pour le fait. Nous ne connaissons pas qui les gens, comment la fait, mais nous connaissons travail la fait. Nous connaissons travail bon Dieu a fait. Les gens qui l'ont sauvé de la mort, de l'enfer, de la prison, l'ont sauvé de un pile bagarre. Un pile fois dit sauver. Pas seulement sauver, vous pensez à l'ancien, vous pensez sauver à la paradis. Non, il n'y a pas ça. Un pile fois, bon Dieu qu'on sauve, quelque chose de situation où il est. Ce n'est pas bon Dieu qui sauve, mais bon, c'est sauvé à pas seulement l'ancien. Mais depuis sous la terre, on bonne baie on bénéficie on joue. Et ben nous réclamons grâce bon Dieu dans la vie chaque monde qui a écouté parole ça. Nous réclamons présence du Saint-Esprit capable habiter dans cœur nous pour nous capable jouer comment qui gens pour nous obéir, comment pour qui gens pour nous marcher dans la nouvelle alliance. Mais qui c'est Jésus qui t'a porté programme ça pour nous. C'est l'impossible, l'impossible. Parce qu'il dit, si on péche contre une loi, on oblige à pécher contre toutes. Il dit, ouais, pas gain réchappe pour le monde dans ce testament de sauver, si c'était la loi. Mais ça fait le vin avec la grâce. Il fait grâce. Il dit, c'est pas moi la foi. Il fait grâce. Mais grâce, ça est prêt pour l'atterrir sur tout le monde. Il est prêt pour le river sur tout le monde. Il suffit que vous-même, vous dites, maître, aie pitié de moi, de ta montre. Et ou paraître devant bon Dieu va plutôt aller comme ça. Pas grand monde qui paraît devant bon Dieu qui dialogue avec elle mais qui pas joindre une solution, pas une réponse. Quelque chose te dit chien, te joue le chien, m'pa prendre manger pour me laguer devant chien. Petit moi me laguer devant chien. Non, monde ça lui-même il était venu chercher une grâce, servante ça était venu chercher un bagage. Il dit mais maître, il pas un problème. Chien supposé manger en bas table mettre lui. Quelle réponse. Et puis Jésus était étonné de réponse là. Jésus dit oh même en Israël m'a jeune un monde comme ça. Ça veut dire bon Dieu cherche monde qui besoin. On bon monde qui pas besoin bon Dieu. Bon si on dit pas besoin. Qui sont pas le dire là. Et Jésus dit même l'a passé. Il dans toute rage, dans toute coin, dans toute chemin, dans tout côté l'a passé. La divine joine moi nous même qui fatigué, nous même qui bouqué. Parce que ça me fait pour nous dans ce testament.
j'aime t'a conduit nous. Il était tellement difficile ça que me descendre même venir moi-même pour finir faire travail là. Et me mettre pied sur terre, il vient continuer travail là. Et qu'on a marché dans toute caille là. Et comme s'il a marché dans chaque caille, dans chaque église, dans chaque assemblée, dans chaque côté, il a marché, il a passé dans l'école, il a passé dans la prison, il a passé dans l'hôpital, il a marché chercher monde. Il a passé, j'ai dit qu'on bon monde cap suivre là, oui. Qu'on bon malade l'a passé. Mon qui est-ce qui a passé là, Jésus, il a levé, il a oublié si il était sirop dans bois, il a oublié si il était gain bagage pour prendre, il a oublié si il sous traitement, il a levé, tandis Jésus qui a passé, il a levé. Il a commencé à marcher de Jésus. Et ça guérison tout. Il n'y a pas de papier signé pour guérir. Non. Mais Jésus a marché là, il a passé dans chaque établissement. Il a passé dans le travail, il a passé dans la facture, il a passé dans l'école, il a passé dans l'église, il a passé dans tout groupe. Il a passé dans tout camp, dans toute zone où il y a des gens qui ne sont pas capables. Jésus même l'a passé là. Parce qu'il y a un peu de monde qui l'a passé pour là. Même pas connaît côté nous. Mais Jésus a passé côté nous là quand même. Mais elle passé veille pour elle. Veille pour tendre appel et pour suivre appel que Christ a fait là. Bon Dieu béni, grâce bon Dieu avec vous. Restez en bas elle bon Dieu. Restez en bas contrôle bon Dieu et mandez cet esprit pour l'expliquer sans pas comprendre. Mandez cet esprit pour l'éclaircir pour l'ouvrir parce que c'est mission cet esprit ça. Il dit là pour ouvrir, ouvrir l'esprit sur ce pas connait pour rappeler ça que tu dis. C'est vrai, me parler je dis à ou tendez, moi pas comprendre ça qu'a dit, pas connait qui prévient, de qui manigance, pas connait rien. Mais cet esprit là pour rappeler. Ou elle t'a dit tel bagage là, mais ça veut dire. Mais ça veut dire c'est plus bon, c'est plus gros enseignant nous gagne c'est cet esprit. Il est là pour expliquer mais les mystères de l'évangile, les mystères de la parole de Dieu. Et nous mando retiens Basel, bon Dieu. Fais bon Dieu confiance. Pas quitter problème pour toi aller, a toujours un problème. Pas quitter grand goût, misère, travail, fatigue, découragement, quel que soit pour j'ai te gagné, pas qu'à marcher. Sans tout bouquer avec la vie, ça pas rien. Suivre Jésus, marcher derrière, parce que c'est pour le venir, c'est pour le venir chercher. Et bien nous demandons pour retiens Basel, obéir parole, chercher comprendre parole. Et pour qu'on comment vivre, comment faire la vie. Parce que la vie est sous compte. Mon Dieu, pote salut à Baoul, pote tout bagay Baoul, ou même si vous poussez zile. Et qu'on travaille pour faire qu'on façon pour travailler avec elle. Mais c'est pour être un enseignement, Christ là, pour qu'on connaît comment pour travailler avec elle. Parce que la vie est sous compte. Je dis le même bon Dieu, pas qu'à faire pour la vie. Parce que s'il doit lever sur moi, on va lever, on va suivre. S'il doit laguer qu'on a piscine, on va laguer. Ça le café pour là encore. Hein? Si tu jetes filé à droite, jetez le parce que je le connais. Moi, je bénis. Amen, amen, amen. Moi, je bénis.